voulons poursuivre ce matin le thème « Une vision pour 2010 ». C'est pratique, mais c'est bon de savoir qu'on va quelque part, que l'immense navigation de l'Église, du peuple de Dieu, eh bien, réfléchit, avance et va dans une direction précise pour aller plus loin. Et c'est vrai que nous avons dans le passé mesuré, comme nous le disions ce matin, la fidélité de Dieu. C'est vrai que le Seigneur est bon, parce que souvent nous disons, heureusement que le Seigneur ne nous montre pas ce que nous allons vivre dans l'avenir, sinon on se découragerait. Hein? Comme on dit à quelqu'un, à quelques-uns, quelquefois, qui demandent du secours, de l'aide, on leur dit, écoutez, il faut que vous montiez une marche après l'autre. Quand j'étais enfant, j'ai toute mon enfance, mon adolescence et une partie de ma jeunesse, j'ai vécu dans une cité et nous habitions au deuxième étage. Et à un moment donné, je ne me rappelle plus quel âge j'avais, peut-être 14 ans, 15 ans, je ne sais pas, j'avais mis sur pied une compétition que je menais et cette compétition était particulière. C'était, je m'engageais à monter les escaliers de plus en plus vite. Alors, bon, avantage, c'est que, bon, je ne suis pas né grand, mais quand même à 14 ans, 15 ans, j'étais assez grand. Et j'essayais de monter le plus possible d'escaliers à la fois. Au début, il y en avait deux, après il y en avait trois, après il y en avait quatre, après il y en avait cinq. Cinq escaliers à la fois, et j'essayais de me chronométrer pour savoir combien de temps je mettais pour arriver en haut. Mais je peux vous assurer que des fois, ça m'arrivait de louper la marche. Et ça faisait mal. Et même en descendant, quelquefois, je me rappelle, c'était tout un palier. Je sautais toutes les marches là, j'atterrissais en bas. Ah, c'est sûr que quand je descends des escaliers, tout l'immeuble entendait. Hein. Mais voyez-vous, ce n'est pas ce que Dieu nous propose. Ce n'est pas ce que Dieu nous propose. C'est vrai qu'on aimerait franchir 10 marches à la fois. Un jour... on a encouragé Jacob et on lui a dit, Jacob, il faut que tu suives, c'était plutôt son frère qui lui disait, Ésaü, après qu'ils se soient réconciliés, il faudrait que tu me suives et qu'on aille au même endroit. Et Jacob a fait cette réflexion, il a dit, il faut que j'aille au rythme du troupeau, au pas du troupeau, parce qu'il y a des brebis qui allaitent, il y a des jeunes animaux qui viennent de naître dans le troupeau de chameaux, de bœufs, de bœufs, et je ne peux pas aller plus vite, il faut que je marche au rythme du troupeau. Et je me rappelle un jour, ce frère qui était venu me voir, c'était la première église que je devais conduire, et il me regarde, ce frère, et il me dit, tu sais, il ne faudra jamais oublier ça, en me pointant du doigt, il m'a dit, tu sais, Jacob, il a marché au rythme du troupeau. C'est vrai que quelquefois on a envie de courir. Moi, c'est dans ma nature, je suis assez fonceur, j'ai envie de courir, j'ai envie de foncer et j'ai envie que tous ceux qui sont derrière puissent foncer avec moi. Mais le Seigneur, quelquefois, il me dit « doucement, là, calme-toi un petit peu là. Il faut aller au rythme du troupeau. Il faut aller au rythme du troupeau. Et quelquefois, il faut ralentir le pas. Et l'Église, elle est appelée à marcher ensemble. Chacun, on est appelé à marcher ensemble. » Et avancer, on n'a pas le choix. Il faut avancer, il faut qu'on gagne du terrain. L'Église est en marche, la vie chrétienne c'est une vie de marche. C'est pas une vie où on est assis sur le bord du chemin. Ça c'est quand on était dans le péché. Mais on est en marche. Et la particularité de la vie chrétienne, c'est que le Seigneur renouvelle nos forces quand on est en marche. En principe, on renouvelle nos forces quand on est au lit. Vous avez remarqué, quand vous êtes fatigué, vous mettez sur le canapé, vous mettez sur le... Vous vous reposez, vous vous détendez, c'est vrai, hein? Beaucoup, moi je n'ai pas visité la maison de tout le monde, mais beaucoup nous avons un canapé chez nous, un fauteuil, on aime bien s'asseoir sur le fauteuil, parce que ça nous détend, se repose un petit peu, on se détend, mais dans la vie chrétienne il n'y a pas de fauteuil. Quelqu'un un jour a dit que quand Dieu a construit le tabernacle, il n'y avait aucune chaise à l'intérieur. Il n'y avait aucun fauteuil, il n'y avait aucun banc, il n'y avait rien. Et quelqu'un l'a traduit comme ça, il disait que quand on est dans la présence de Dieu, quand on entre dans le sanctuaire, on n'entre pas avec Dieu, on n'entre pas en communion avec Dieu, on n'entre pas en relation avec Dieu pour s'asseoir, pour se reposer. Le repos, nous l'avons en Dieu.
C'est vrai que dans le tabernacle, il n'y avait aucune lumière sinon le chandelier. C'était la nuit totale, sinon la source de lumière, c'était le chandelier, parce que Dieu est notre lumière, mais il est aussi notre repos. Et si tu veux te reposer dans ta vie, si tu veux être dans la paix, si tu veux être dans la joie, il faut marcher avec le Seigneur. Il faut marcher avec le Seigneur. Il ne faut pas écouter les mensonges de l'ennemi qui dit « Arrête-toi, ne fais plus rien, reste dans ton coin. » Là, c'est le meilleur moyen pour que tu détruises ta foi. Parce que la Bible nous dit que Dieu renouvelle nos forces dans la marche. Amen. Alors en marche. Mais voyez-vous, il y a des moments aussi où le Seigneur a dit « Reposez-vous un peu. » Il y a des paliers, je vais vous montrer un petit palier. Il y a un palier aussi qui peut être là pour joindre deux marches d'escalier, si je puis dire. Et voyez-vous, il y a aussi des plateaux, quelquefois, qu'on atteint, mais il y a les raisons, c'est voulu par Dieu, c'est permis par le Seigneur. Et quelquefois, dans nos vies, il y a des paliers. Dans nos vies spirituelles, des paliers de réflexion, des paliers de remise en question, des paliers où on va se tenir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est dans le palier, sur le palier qu'on s'arrête. Sur le palier, on continue à marcher. On est en marche. On est en marche avec un objectif, c'est de continuer à monter, à nous approcher du Seigneur et à aller plus loin avec lui afin que son œuvre avance. Amen. Et c'est ce que nous voulons pour notre Église. Et il y a dans notre cœur, et je vous invite à prier cette semaine aussi, sera l'occasion pour chacun de nous de nous tenir dans la présence de Dieu, de jeûner et de dire « Seigneur, tu veux me conduire où ?» La vie, elle n'est pas finie. Amen. La vie chrétienne n'est pas finie. On a encore du chemin à parcourir. Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Qu'est-ce que tu attends de ma vie? Il y a un plan pour ma vie, Seigneur. Alors je veux te glorifier. Il y a un plan pour mon avenir. Il y a un plan pour ma famille. Il y a un plan, Seigneur, pour toi. Hein? Je ne suis pas né sur cette terre, ça on l'a très bien compris, pour travailler, pour gagner de l'argent, pour m'installer, pour vivre certains plaisirs. Non, Seigneur, depuis que je suis né de nouveau, ma vie, elle est pour toi, Seigneur. Elle est pour toi. Certes, il faut que je travaille pour gagner ma vie. Certes, il faut que, Seigneur, je fasse ceci, je fasse cela. Mais Seigneur, tu as un plan pour ma vie. Tu as un plan pour ma vie. Alors, je veux te servir, Seigneur. Amen. Alors, c'est vrai que on est plusieurs, et vous aussi, à réfléchir, et je prie pour que Dieu nous suscite des réflexions pour aller plus loin, pour trouver l'impact qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'œuvre de Dieu. La première des choses que je voudrais dire ce matin, c'est que cette année, nous voulons aussi que ce soit une année de fraternité. Regardez ce qu'il est écrit dans la Bible, dans le psaume 133, cantique de David, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. » Vous avez remarqué, il est dit qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble. Alléluia. Vous êtes à vous seul des éléments qui déstressent. En vous regardant ce matin, ça fait du bien. Amen. Il est agréable, il est doux. On est bien dans la maison de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. On est bien avec des frères et sœurs. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Il m'arrive quelquefois d'entendre des chrétiens qui ont vécu un moment par la force des choses, par la maladie ou par un déplacement, de se trouver privé de l'Église et de revenir au bout de quelques temps et de dire « Ah, que c'est bon de retrouver son Église. Ah, que c'est bon d'être dans la maison de Dieu. Alléluia !» Mais je crois que on peut aller plus loin parce que tout le contexte nous montre aussi que c'est bon, que c'est agréable et que c'est doux au cœur de Dieu aussi. Le cœur de Dieu se réjouit. Souvent, alors que nous sommes dans une génération, dans des temps particuliers où les gens ont tendance à s'isoler, à s'enfermer, c'est vrai que c'est terrible cela. Les gens ont tendance à s'enfermer et à s'isoler, et quelquefois ça peut atteindre le peuple de Dieu. Avec Isabelle, nous avons fait une toute petite expérience. C'est que
nous avions des arbustes qui nous séparaient de nos voisins. Alors c'est sûr que ça mène une certaine intimité, mais bon, c'était des arbustes qui commençaient un petit peu à dégénérer. Bon, alors à un moment donné, on a dit, ben, on va les couper. On a coupé, il y avait des épines qui étaient longues comme mon doigt. Ah, ça devenait même dangereux. Donc on a coupé un côté, après on a coupé l'autre. Et finalement, ce qui a été tout à fait banal, mais qui nous a interpellés, c'est qu'en passant, on a commencé à voir les voisins, là, parce qu'avant on ne les voyait pas, et à leur dire bonjour, comment ça va? A commencé à. Et même, il y a un petit muret qui n'est pas plus haut que ça, des fois on l'enjambe et on rentre chez le voisin, on se serre la main, on tape la causette. Mais vous savez, ce qu'il y a quand même d'impressionnant aussi, c'est que, ben, il n'y a pas très longtemps, ils sont venus à la maison, on a mangé ensemble. L'autre fois, ils nous ont invités chez eux. Ben, on mange chez eux maintenant. Ah, c'est merveilleux, hein? On fait des économies comme ça. L'autre fois, le voisin est venu me voir, il m'a dit, hey, il faudrait qu'on se fasse un petit repas. C'est quand que vous voulez venir? Ben, je dis tous les jours, si vous voulez, hein? Il n'y a pas de souci, hein? Et finalement, il y a des liens, et même avec les voisins d'en face. Alors que autrefois, ben, on était prisonniers d'un certain système, si je puis dire. Et on est dans un siècle où chacun vit dans son coin, vit dans son petit terrain. Et surtout, il faut surtout pas déranger le voisin et les arbustes le plus haut possible. Ben ouais. Mais je crois que Dieu nous appelle à autre chose, hein. Dieu nous appelle à un contact aussi entre nous, entre frères et sœurs. Moi, je crois que ça réjouit le cœur de Dieu. C'est doux pour le cœur de Dieu. C'est agréable. J'aimerais inviter le pasteur Bruno. Il a une bonne vision l'autre jour. Bon, il en a souvent des bonnes visions, mais celle-là, elle est pour cette année. Alors, je vais lui demander de venir nous partager quelque chose pour que cette semaine, on puisse vraiment bagarrer dans ce domaine-là. Voilà, vous savez que le grand défi dans l'évangélisation par rapport à l'Église, c'est de faire entrer on va appeler ça les sans-Église, dans l'Église. Je parle du local. Il y a une barrière psychologique. Parfois, les sans-Église se demandent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces murs? Vous connaissez l'expression, c'est pas catholique. C'est bien français, ça, hein? C'est pas catholique. Ça veut dire que tant que c'est pas catholique, ben, c'est pas clair, quoi. C'est pas catholique. Donc, alors la réflexion, je vous demande de prier pour ça. On a un projet. Je peux pas trop vous en dire plus, malheureusement, parce qu'on est en pleine réflexion. Mais c'est de construire quelque chose pour. Alors, on pense aux alentours de Noël, par la grâce de Dieu, si on arrive à bien constituer les choses. Mais de faire venir, de faire une activité qui permettrait à des sans-Église de venir ici sans qu'ils aient l'impression de venir à l'église. C'est fort, hein? Mais ils entendront quand même l'évangile. Mais ils n'auront pas l'impression d'être à l'église. Voyez? Alors je vous demande de prier pour ça, parce que c'est un réel défi, et on est plusieurs à le réaliser, plusieurs pasteurs à le voir ensemble. Les gens ont soif, mais c'est pas catholique. Et tant que c'est pas catholique, alors c'est pas que les gens ils veulent pas rentrer, mais c'est qu'ils ont peur. Et à nous et je vous demande de vraiment prier pour ça, et puis de réfléchir aussi à d'autres actions. Alors voilà, vous en saurez plus dans les semaines qui viennent. On va affiner ça, mais priez pour ça, parce que le but c'est de permettre à celui qui connaît rien aux églises évangéliques. Moi, avant de me bon, je prends pas trop la parole, hein. Mais avant de connaître les églises évangéliques, moi, pour moi, tout ce qui était, même les protestants, c'était des extraterrestres. D'imaginer? Alors me faire venir dans une église évangélique, c'était impossible, impossible. Alors ils ont réussi à m'avoir, et je me suis retrouvé dans une église évangélique que je croyais que ce n'était pas une église. Mais une fois que j'étais dedans, j'ai entendu de belles choses.
voyez ce que je veux dire? Donc voilà, alors priez pour ça, parce qu'on a un projet, en plus musical, tout ça. Bon, mais je ne vous en dis pas plus, je crois que j'en ai un peu trop dit. Mais voilà, donc priez pour ça, pour que les choses se mettent en place et puis qu'on arrive à relever des défis ensemble, parce que le défi, c'est que le sans-église puisse venir ici et soit pas, qu'il n'y ait pas de barrière, mais qu'il vienne simplement écouter l'évangile, parce qu'ici, on communique la bonne nouvelle de l'évangile. Dites un grand amen. Vous priez pour ça? Priez entre autres, il y a d'autres projets, je sais, mais priez entre autres pour celui-là. Merci. Merci. On va demander aussi à Madame la Présidente du CAFEJ, Isabelle. Nous avons travaillé, vous savez, on essaie de réfléchir aussi à des projets. La rentrée septembre, tout mettre en marche, Noël, tout ça prend beaucoup d'énergie. Mais dès janvier, là, nous avons réfléchi sur des projets, elle va vous les partager. Oui, bonjour mes frères et sœurs. Alors c'est vrai que Bruno nous disait tout ce qui n'est pas catholique, mais je pense qu'il y a aussi une chose qui était très forte dans notre pays. Ça a été mai 68, où on a claqué la porte au nez du Seigneur une bonne fois pour toutes, et on lui a dit, eh ben, on ne veut plus de toi, et on n'a pas besoin de toi. Je pense que ça a été un événement très spirituel, ce moment-là. Et moi, je me dis, je refuse de laisser cette porte fermée. Et on n'a plus le droit de dormir. L'église du Seigneur n'a plus le droit de dormir, de s'installer dans son fauteuil. On doit se bouger. Et par le moyen de, par tous les moyens, par toutes ces idées comme celle qu'a eue Bruno, je crois qu'il faut qu'on se bouge. On a plein de secteurs d'activité dans l'église. On a des responsables. C'est peut-être à vous un petit peu plus ce matin que je m'adresse. J'ai envie de vous dire, réfléchissez à tout ce qu'on peut faire, à comment on peut se bouger pour que l'Église ouvre la porte au Seigneur, ouvre la porte à de notre pays. Parce que moi, je refuse de laisser la France entre les mains de l'ennemi. La France, elle est pour Jésus. Quand on me dit la France, c'est le pays le plus dur, il n'y a rien à faire, eh bien non, je refuse. La France, elle est pour Jésus. Et on doit se bouger. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec le CAFEJ? Eh bien, c'est une association qui... Moi, je veux qu'elle serve le Seigneur, parce qu'autrement, moi, alors là, je me retire, j'ai rien à faire dans cette association. Je veux que cette association serve le Seigneur et qu'elle puisse vraiment dire à nos contemporains, aux Français, eh bien, Jésus peut quelque chose pour vous. Alors, on a eu des idées, mais peut-être vous allez réfléchir à d'autres idées. Venez nous en parler. Le CAFEJ veut vous donner les moyens de concrétiser tous les projets que vous pouvez avoir, dans la mesure du possible, bien sûr. Alors, nous avons pensé faire une sortie avec les enfants en juin. On va faire un petit week-end à Bénac en juin. Et on veut faire du bien aux enfants, on veut que les enfants se fassent du bien, puis qu'eux aussi aiment qu'ils aiment l'Église et qu'ils aiment être ensemble. Nous avons prévu aussi une sortie de 2 jours pour Solifemmes, les femmes seules. Alors là, Marie-Françoise est en train de réfléchir à ça et elle vous donnera plus de renseignements, mais ça va se faire cette année. Une sortie bivouac pour les aînés. Non, là, c'était pour vous faire réagir. Une sortie, on a pensé à une sortie, peut-être pas un week-end, mais 2 jours où on va se retirer quelque part, où on va se faire du bien ensemble. On amènera nos duvets, mais vous serez chouchoutés et on va passer 2 jours ensemble. Vous êtes d'accord, les aînés? Moi, j'ai vraiment envie de vivre ça avec vous aussi. Il va y avoir une rencontre de couple qui est organisée en novembre, un grand rassemblement de jeunesse de 3 jours. Si vous saviez le nombre de jeunes qui se sont convertis lors du rassemblement de jeunesse qu'il y a eu à Buxerolles, ouais, ça a été vraiment une bénédiction. Alors celui-là aussi va être une grande bénédiction, hein, Jérémy. Et puis un petit déjeuner aussi, plus un invité surprise. Pour les hommes. Alors pour vous dire que voilà, eh bien le café, je vais couvrir toutes ces activités-là. Oui. Mais il y en aura d'autres. Il y aura d'autres choses qui vont se créer. Et puis priez pour ça. Et merci, parce que cette année, on va se bouger. Gloire à Dieu. Voilà, merci.
Bien sûr, c'est pas du culturel, c'est du spirituel, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble. Amen. J'ai mesuré ça cette semaine aussi, parce que dans le cadre de nos séminaires de pasteurs, on passe 3 jours ensemble, mais des moments très sérieux où on étudie, on est assis avec nos cahiers, avec, en train de copier, d'écouter. Mais il y a des moments aussi où on est à table, où on est ensemble, on partage, on se pose des questions, des fois même on plaisante ensemble, sainement bien sûr. Eh bien, ça nous fait du bien. Et quelquefois aussi, on a besoin dans l'Église de créer ces liens. Et peut-être vous avez des amis qui sont seuls, c'est l'occasion de les inviter. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Sachez aussi que la vision de l'Église, la vision de ses dirigeants, la vision de ses pasteurs, la vision de tous ceux qui ont des postes à responsabilité, on n'est pas là pour se produire, on n'est pas là pour faire de la scène, on n'est pas là pour essayer de faire du spectacle. Personne ne fait du spectacle ici. Nous sommes au service les uns des autres. D'abord, aux yeux de Dieu, nous voulons le servir. Mais nous voulons nous servir aussi. Et voyez-vous, j'ai une attention tout à fait particulière pour ceux qui dirigent. Et dans les cours de leadership, on apprend que le leader, le vrai leader, ce n'est pas celui qui est là pour se produire, c'est celui qui crée de l'énergie dans la vie des autres pour les amener aussi à exercer leur ministère. Et c'est vrai que la vision de l'Église, ce n'est pas qu'il y ait une catégorie de gens qui servent. Souvent, quand je vais faire de la formation, je dis, vous savez, on essaie de tout notre cœur de mettre en place une réalité dans l'Église de Limoges, c'est que celui qui ne veut pas servir, c'est qu'il l'a choisi. Celui qui ne sert pas, c'est celui qui a choisi de ne pas servir. Mais tous ceux qui veulent servir, tous ceux qui veulent participer ont une place dans l'Église. Et je voudrais vous inviter à prier pour cela. Quelqu'un un jour a répertorié les qualités d'une église qui marche bien. Eh bien, on va vous les mentionner. Le premier critère, c'est des responsabilités déléguées. On va vous l'afficher d'ici quelques jours. Voilà. Merci. Alors, si tu peux nous mettre le point numéro 1. Les responsabilités déléguées. Et c'est bon. Et je voudrais vraiment bénir Dieu ce matin pour tous ceux qui ont pris part à des charges qui sont lourdes, qui sont des fois harassantes, parce que c'est du travail. Mais quelle joie de pouvoir partager. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous qui participez, que vous avez une grande joie dans le cœur aussi de pouvoir travailler à l'œuvre de Dieu. Les services selon les dons, chacun a sa place. Ce n'est pas la peine de faire ce qu'on n'est pas appelé à faire, parce qu'on va user et on va s'user. Ensuite, spiritualité enthousiaste, qu'on soit heureux d'être dans la présence de Dieu, qu'on soit heureux d'être avec des frères et sœurs, qu'on soit heureux de servir le Seigneur. C'est merveilleux. L'Église parfaite n'existe pas, mais on a envie de faire des efforts. On a envie de vaincre son orgueil. On a envie de vaincre peut-être sa colère, son animosité, peut-être sa soif de vengeance. Spiritualité enthousiaste. Des structures efficaces. On ne veut pas mettre des choses en place pour les mettre en place. Tiens, on ne sait pas quoi faire, eh bien, on va faire ça. Non, surtout pas. Chaque fois qu'un frère, une sœur a une vision qui vient la partager, eh bien, nous l'écoutons attentivement et on se réjouit pour ce qui s'est mis en place et qui se maintient. Des cultes édifiants. C'est bon d'avoir des cultes édifiants. On bénit toute l'équipe musicale aussi qui travaille et qui travaille beaucoup pour qu'on ait aussi de bons moments à ce niveau-là. Des groupes de prière aussi. L'Église qui ne prie pas, c'est l'Église qui n'avance pas. Et je voudrais vraiment vous encourager, frères et sœurs, à mettre de la prière dans votre cœur, un peu plus. Engagez-vous dans la prière, foncez dans ce domaine-là. L'évangélisation adaptée, et Bruno il crie, ouais. L'évangélisation adaptée, afin que là aussi c'est pareil, on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on aille vers les besoins des gens pour les amener à Jésus. Et aussi, et là c'est Isabelle qui va crier, ouais, des relations amicales. Et le café, je nous sers à cela. Je bénis Dieu pour la bonne vision de cette association qui avance. Si on vous a dit l'inverse, c'était faux. C'est une association qui fonctionne bien. C'est une association qui travaille. Elle travaille comme elle peut, avec les moyens qu'elle a, mais par la grâce de Dieu, avec cette association, nous avons déjà fait de très belles choses. De très belles choses. Et des choses qui ont été bien faites.
et qui ont été faites dans une parfaite clarté et dans une parfaite honnêteté. Il n'y a jamais eu de magouille, je voudrais vous rassurer, et que vous soyez confiants dans ce travail qui porte du fruit et qui va continuer à porter du fruit. Amen. Et on bénit Dieu pour tout ce travail qui se fait et qui se fait avec beaucoup de sérieux. Quelqu'un disait, là où l'amour fait défaut, le développement futur de l'Église est compromis. Alors, je crois que on pourrait dire la communion fraternelle, mais une Église où il n'y a pas d'amour, eh bien, le Saint-Esprit le sait, le voit, le sent. Bon, il y aura toujours, attention, l'Église parfaite n'existe pas, il y aura toujours des gens qui seront contre tout, il y aura toujours des gens qui vont s'opposer à tout. Il y aura toujours des gens qui verront toujours ce qui est négatif, mais ça, bon, le problème, c'est pas ce qu'ils voient, c'est eux-mêmes qui ont un problème. Et on veut les encourager à recevoir de la part de Dieu une guérison dans leur cœur, parce que souvent, c'est le problème, c'est nous, c'est pas les autres. Hein. Mais on a envie de faire en sorte que notre Église s'embellisse, que notre Église, elle aille de l'avant dans l'amour. Amen. Sois pas toujours là avec un œil critique, parce que l'œil, c'est la lampe du corps. Et si notre œil est en mauvais état, nous dit la Bible, tout le reste est en mauvais état. Comment atteindre notre génération? Se réjouir de ce que l'Église de Limoges a investi pour un couple pastoral qui travaille avec nous dans l'évangélisation. Et nous voulons poursuivre aussi dans ce domaine-là. Vous savez, nous avons une vision et nous voulons la poursuivre. Et vraiment, je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à ce qu'on puisse continuer dans cette vision-là. Soyez fidèles dans vos offrandes, parce que vous savez qu'embaucher, eh bien, nécessite aussi des finances. Ça ne tombe pas du ciel, hein. Même si mon voisin est généreux qui m'invite tous les jours à manger, ben, il faut quand même un petit salaire pour subvenir à nos besoins. Et je vais expliquer au pasteur Bruno comment on fait, comme ça lui aussi, pour aller demander à ses voisins. Il en a de gentils aussi qui ne sont pas très loin là. Hein, Zout, tu veux pas le... Allez, t'as des cacahuètes, des bananes. Mais on veut être fidèle aussi dans l'évangélisation. La Bible nous dit, dans la Genèse, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année, la Bible dit, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. C'est vrai que déjà avec quelques responsables, nous avons partagé cela, on l'a partagé publiquement aussi. Cette année, on voudrait avoir un objectif, nous voulons 100 âmes de plus dans l'Église. Cette année, 100 âmes de plus. Il n'y a pas de raison, on peut nous laisser, c'est plus joli le verset que moi. On va remettre le verset, s'il vous plaît, la régie, vous êtes gentil. Cette année, est-ce qu'on a le droit d'avoir un objectif pour cette année? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une vision pour cette année? Est-ce que vous pouvez me remettre le verset, s'il vous plaît? Vous êtes gentil. Non? Vous pouvez pas? C'est fini? Il est fâché là-bas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Cette année, sans tuple. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va prier pour ça? Il n'y a jamais de résultats sans effort. Il n'y a jamais de résultat sans un prix à payer. Quelqu'un disait, les victoires au bon marché, ça n'existe pas. C'est pas vrai? Mes frères et sœurs, est-ce que l'Église est prête à payer le prix pour accomplir sa mission? Sa mission première, c'est d'évangéliser. Le Seigneur a dit d'aller. Regardez, d'après les statistiques, j'ai déjà passé cela, mais je voudrais le refaire ce matin. Comment on attire une âme à l'évangile? De 1 à 2% par une évangélisisation spéciale. 1 à 2% d'âmes qui se convertissent, enfin du moins dans le nombre, il y en a 1 à 2% qui se convertissent par une évangélisisation spéciale. 2 à 3% par les charismes du ministère pastoral. Ah, c'est décevant, mais c'est la vérité. 5 à 6 par des démarches personnelles, des gens qui recherchent Dieu, comme connaître-dieu.com. 1 à 2% par des visites aux personnes chez elles. 4 à 5% par la suite donnée à l'école du dimanche ou le culte d'enfants. 0,5% par des évangélisations planifiées. 2 à 3% par des moyens divers. Et 75 à 85%
par des contacts personnels. C'est vous les plus grands évangélistes. C'est vous. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas ça. N'oublions jamais ça. On peut avoir une belle église, on peut avoir une belle moquette, on peut avoir un beau piano, on peut avoir un beau vidéoprojecteur, on peut avoir un bel évangéliste. D'ailleurs, il faut se mettre à chercher parce qu'on ne l'a toujours pas trouvé. Ah ben oui, il faut... Non, mais là, faut travailler à l'humilité, là. Hein. Écoutez, non, je ne suis pas jaloux, je suis plus beau que Bruno, moi. ~75 à ~85%, c'est nous qui allons amener les âmes. Le contact, le témoignage. Et je crois que il faut que l'Église retrouve sa mission. Depuis combien de temps n'as-tu pas amené une âme au Seigneur ? C'est vrai que c'est dur. Pas dire que c'est facile, c'est dur d'amener une âme au Seigneur. Depuis combien de temps n'as-tu pas témoigné ? Distribuer une Bible, donner un évangile, parler à quelqu'un de Jésus. Depuis combien de temps ? Je crois que là aussi, l'Église a besoin de prier pour se retrouver, pour passer du temps devant Dieu. Quelqu'un disait, le Seigneur a dit à l'Église, allez. Et il a dit au monde, venez. Mais l'Église doit aller. Remarquez ce qui est écrit dans les évangiles. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Tant qu'il regardait les hommes, il n'arrivait rien à voir. Mais au moment où il a regardé fixement Jésus, ses yeux se sont ouverts. Nous voulons amener les âmes à Jésus, pas à nous. Nous voulons amener les âmes à Jésus, pas à un mouvement, pas à une dénomination. Hein. Dans le ciel, il n'y aura pas de dénomination. Le Seigneur ne va pas dire, bon, vous vous mettez là parce que vous appelez ça, vous appelez là, vous vous mettez un petit peu plus loin là-bas et vous derrière moi. Non, tous ensemble. Hein. Alléluia. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez ça, que nous allons être tous ensemble là? Et tous les pays confondus? Toutes les races, toutes les couleurs de peau, on va être là dans la présence de Dieu, ça va être merveilleux, ça va être extraordinaire. Mais ce que je remarque ici dans le texte que nous avons lu, c'est on amena vers Jésus. On, ce pronom, on amena vers Jésus. Il ne nous est pas dit le nom de la personne ou le nom des personnes, mais il nous est dit que c'est Jean ou cette personne a amené l'aveugle vers Jésus. Et c'est ça qui est important. C'est ça notre mission. C'est que nous devons amener vers Jésus. Pour que les gens entendent la prédication de l'évangile. Pour que les gens entendent le message de l'évangile. Pourquoi les chrétiens ne témoignent pas, disait quelqu'un. Pourquoi les chrétiens ne témoignent pas? Eh bien, parce que, premièrement, ils ne sont pas heureux dans leur foi. On peut l'afficher, s'il vous plaît, le tableau. Ils ne sont pas heureux dans leur foi. C'est dommage qu'on n'arrive pas à s'épanouir. Pourquoi on n'est pas heureux dans notre foi? Parce que peut-être il y a des choses qu'on n'a pas saisies, peut-être qu'il y a des choses qui ont gagné notre vie et qui nous ont voilé la face du Seigneur et que peut-être il y a du nettoyage à faire dans notre vie, pourquoi pas? La sanctification, c'est ça. C'est garder la foi. J'ai gardé la foi, dira l'apôtre Paul. Et la Bible dit que même Paul dira, il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Oh, ils ont une forme de spiritualité, mais ils ont fait naufrage. Et la Bible dit, il faut s'éprouver pour voir si on est dans la foi. Ta foi, dans quel état elle est? Ou quand tu regardes ta foi, est-ce que tu dis ma foi? Non, il faut développer notre foi. Dans quel état elle est ta foi? Ils ne sont pas heureux dans leur foi. Est-ce que tu es heureux? Ce matin, si je te pose la question, est-ce que tu es heureux en tant que chrétien? Oui, il faut que tu répondes à ça. Si tu n'es pas heureux, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Quelque chose qui ne va pas. Et il faudrait peut-être revenir là
Manque de contact avec autrui et les gens du monde, le contact. On a perdu le contact avec notre entourage, on a perdu le contact avec notre famille. On a perdu le contact avec nos voisins, nos collègues de travail. Seigneur, on a besoin de ta grâce, on a besoin de ton secours. Aide-nous à avoir des contacts, Seigneur. Que le facteur, quand il passe devant la boîte aux lettres, là, il puisse s'arrêter et dire « J'ai un problème. J'ai un problème. » L'autre jour, il y a le facteur qui s'est arrêté pour vendre le calendrier. Il nous disait « L'année dernière, vous nous avez donné une Bible. Hein? Eh bien, je l'ai toujours, je la lis. » Eh bien, ça nous a fait plaisir. Hein? Au moins une fois par an, il nous parle, le facteur. Hein? C'est pas grand-chose, Seigneur, c'est vrai. Ah, on ne peut pas le forcer. On peut... Non, facteur, comment tu vas ? Il va nous regarder, il va dire, bon, lui, ce matin, il a déjeuné avec le rhum. Hein. Mais c'est vrai. C'est, on ne peut pas paraître ridicule non plus. Mais Seigneur, aide-nous à avoir le contact. Parce que c'est important. Les chrétiens qui sont mal nourris spirituellement, infantilisme. Et mes frères et sœurs, c'est dont souffrent aussi beaucoup de gens de nos églises. Ce sont des enfants. Des boudeurs. Non, il n'y en a pas à Limoges. Hein? Non. Oulala. Avec Bruno, des fois, quand on va dans d'autres églises, on en voit. Mais ici, non, il n'y en a pas. Mais vous savez, des fois, on voit des gens, c'est des boudeurs. Ils boudent. Comme des petits gamins de 5 ans. Non. Si ça continue, je vais faire pipi par terre et je vais me rouler dedans. Oh. Non, mais sérieux, hein, je le dis comme ça, là. C'est très naturel ce que je dis là. Hein? Mais c'est la vérité, des boudeurs. Bon, quand ils sont enfants, on comprend. Quand l'enfant, il boude dans son coin, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, tu m'as donné qu'un carreau de chocolat. Bon, écoute, quelquefois, il y a des gens, c'est comme ça, mais c'est terrible. Infantilisme. Et vous savez, ce n'est pas une question d'âge. Hein? C'est malheureux. Des fois, on se demande. Échec antérieur, blessure dans l'église. On s'est arrêté, on s'est stoppé. J'ai rencontré des échecs. La famille m'a rejeté. C'est vrai que la famille vous a rejeté. Bon, il y a un membre de ma famille qui est converti aujourd'hui et je bénis Dieu. C'est l'effet de sa grâce. Mais un jour, il a voulu me casser la figure. Ah ouais. Mais le Seigneur m'a montré que par mon témoignage, je l'ai défoncé. Je l'ai fracassé. Il est tombé à genoux, il s'est mis à pleurer. Mais quelle joie dans notre cœur. C'est vrai. Seigneur, je ne vais pas rester sur des échecs. Je ne vais pas rester sur des menaces. Peut-être que tu es en conflit avec un membre de ta famille. Prie pour lui, pour que Dieu touche son cœur, parce que c'est possible. Alléluia. Honte de leur église. Ça, ce n'est pas Limoges. On aime notre église. À cause des ragots, des réflexions, du mauvais accueil. Non. David, au boulot. Bon accueil. On veut un bon accueil. Un accueil parfait. Un accueil sans faille. C'est bon de pouvoir parler, de pouvoir échanger ensemble. Oui, il faut qu'on soit fiers de notre Église. Pour bien diriger, bien réussir, dans n'importe quel domaine, disait quelqu'un, il faut premièrement être capable de s'engager à 100%. Soyez à 100% pour votre Église. Le temps que vous pouvez donner, le peu que vous pouvez donner, eh bien, donnez à fond. Soyez à 100%. Ayez la vision de l'œuvre de Dieu, être doué de créativité. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, vous savez, de mon temps. On a discuté pendant le séminaire. Ah, permettez-moi de vous dire, j'espère que je vais vexer personne ce matin, mais on a discuté de ces pasteurs qui disent de mon temps. Mais de leur temps, vous savez, il y avait des problèmes aussi. Hein. Pas croire, hein, faut pas. Alors, c'est sûr que de leur temps, c'était pas comme aujourd'hui, mais bon, bah, écoutez. C'est sûr, je ne vais pas revenir à l'âne et la charrette parce que de leur temps, ils allaient évangéliser en âne et en charrette. Comprenez, il y a des choses qui ont changé. Le monde a changé. Et on bénit Dieu, attention, que Dieu nous garde d'accuser le passé. Si nous sommes dans le présent, c'est grâce à ceux qui, avec leurs moyens, leur bonne vision, avec leur travail, et certains ont donné même de leur vie. Pour que l'œuvre de Dieu soit établie dans notre pays. On bénit Dieu pour ça. Mais aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. On n'est pas hier. Et il faut qu'on soit, on ait des réflexions qu'on puisse créer et des objectifs, des buts à atteindre. Et aussi, troisièmement, être doué de compassion.
La Bible nous dit que Jésus a été ému par les foules. Ému par les foules. Quand vous entendez quelque chose, quand on vous parle de quelqu'un, est-ce qu'il vous arrive de sangloter à l'intérieur de votre cœur tellement vous êtes ému par le Saint-Esprit ? Ah Seigneur, je souffre pour cette personne. Je souffre pour celui qui est là à l'hôpital, mon voisin. Je souffre, Seigneur, pour un membre de ma famille. Seigneur, je souffre. Ça me réveille la nuit. Seigneur, j'ai comme l'impression que je suis tourmenté par le salut de cette âme. Je me rappelle le témoignage, permettez-moi de vous l'annoncer ce matin, ce soit un encouragement. Témoignage de David Wilkerson qui était dans sa voiture alors qu'il y avait un traducteur qui était à ses côtés et qui avait le visage fermé, même son visage avait changé de couleur, il était là, inquiet. Et le traducteur se disait à côté, mais j'ai peut-être mal traduit, qui me fait la tête. Et il ne comprenait pas, et il continuait à le traduire pendant la mission, et il disait, mais je dois vraiment être un mauvais gars, il se culpabilisait à côté, et jusqu'au moment où le soir, il a dû aller le rejoindre dans sa chambre, et au moment où il s'apprêtait à frapper, il entendait des sanglots dans cette chambre. C'était David Wilkerson qui était en train de pleurer. Et il disait, c'était impressionnant parce que, et c'est celui qui traduisait, qui nous racontait ça, il disait parce que c'était plus que des sanglots, c'était presque de l'agonie. C'était comme de l'agonie, comme s'il était en train d'agoniser. Et alors là, il était gêné, il s'apprêtait à frapper à la porte et finalement il est reparti dans sa chambre d'hôtel. Et il l'a laissé là, et toute la nuit il a prié, toute la nuit il a gémi devant Dieu. Et moi, ce témoignage m'a marqué. Il a marqué ma vie. Et il disait que le lendemain, au petit déjeuner, là, il était avec le visage tout ridé, tout marqué par un manque de sommeil. Et il lui a posé la question, il a dit là, il a pris son courage à deux mains, il a dit, Monsieur Wilkerson, est-ce qu'il y a un petit problème là? Est-ce que j'ai mal traduit? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne fallait pas? Est-ce que je vous ai peiné? Dites-le-moi, parce que là, on va continuer à travailler quelques jours ensemble. Je vais vous traduire dans tout mon pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Et David Wilkerson a commencé à laisser ruisseler quelques larmes de ses yeux. Et il a pris ce traducteur dans ses bras et lui a dit, tu sais, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Et tellement aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça remonte à 20 ans, ça, à peu près. À l'heure actuelle, ce traducteur, c'est comme devenu son fils. Et il l'a pris dans ses bras. Il dit, non, t'inquiète pas, c'est pas pour toi. C'est que juste avant de partir pour aller faire ma tournée, il y a auprès de mon église des prostituées qui sont là et qui se chauffent à côté des évacuations de chauffage. Elles sont là, elles ont mis des cartons et elles souffrent. Et quelquefois, elles ont des enfants. Et il dit, j'arrête pas, je suis obsédé par cette pensée qui m'hante le jour, la nuit. Et il pleurait pendant qu'il était en train de dire cela. Et de dire, je ne sais pas comment les atteindre, je ne sais pas comment les aider, j'ai un fardeau et je ne peux pas devant Dieu les laisser comme ça. Oh mes frères et sœurs, que Dieu nous donne de nous réveiller, que Dieu nous donne une visitation de l'esprit pour que nos tripes, parce que ému de compassion, c'est être touché dans nos tripes, littéralement. Que nos tripes soient saisies, que nous soyons réveillés la nuit. Et c'est vrai, cette année, on est impressionné par les demandes de dossiers qui nous arrivent. La boîte aux lettres, à chaque fois, elle est remplie de dossiers, de gens qui demandent à manger, des gens qui demandent de l'aide, des gens qui souffrent. Alors, c'est vrai que la souffrance, elle peut être morale, elle peut être physique, elle peut être spirituelle. Mais l'Église doit répondre à cela. Il y a des gens qui souffrent de solitude quand on pense à nos aînés, se dit à la solitude qui est là. Quand on pense au foyer brisé, et je peux vous assurer que j'en ai vu défiler des gens qui vivent leur foyer qui est en train de se briser. Quelle souffrance, quelle détresse. Mes frères et sœurs, il y a une foule de réflexions dans mon cœur qui viennent me bousculer, me secouer, me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ton église? Ça fait des années que j'essaie de réfléchir pour que Dieu nous donne sa grâce, pour qu'on puisse venir en aide à ceux qui sont dans la dépression, à ceux qui sont là avec des troubles psychiques,
avec des problèmes, avec des souffrances dont on n'ose pas parler. On a évoqué cela, j'en parlerai la semaine prochaine, on a évoqué cela en disant, chez nous, dans nos églises en France, et ce n'est pas un reproche, mais c'est une réalité, c'est que ce n'est pas quelque chose de facile que d'aller et de dire j'ai un problème. On a tellement peur du qu'en dira-t-on, on a tellement peur du jugement, on a tellement peur d'être regardé bizarrement. Mais nous, sachez une chose, mes frères et sœurs, que dans notre vision, il y a ce désir dans notre cœur. C'est vrai que moi, je suis toujours là, même dans le ministère, à vouloir monter 6 marches à la fois. Parce qu'il y a tellement de domaines que j'aimerais que, dans lesquels nous soyons déjà entrés depuis longtemps. Mais l'Église a quelque chose à apporter. Et que dans nos cœurs, ça vienne nous secouer. Et que cette semaine de jeûne et prière, on puisse dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ? Moi, je ne suis pas là pour me mettre en valeur. On n'est pas là pour faire de la scène, excusez-moi l'expression. On n'est pas là pour être vu. On n'est pas là pour apporter un message et pour essayer de faire de la frime. Mais ça rime pas. L'Église, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour ça. L'Église, elle est faite pour répondre aux besoins. Elle est faite pour secourir. Elle est faite pour délivrer. Elle est faite pour que les âmes puissent trouver le secours dont elles ont besoin. Et ce n'est pas de la frime. Mais c'est la vérité, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous entende nos cœurs ce matin. Que dans notre être intérieur, nous soyons pris là. Et des fois, je le dis et j'essaie de me l'appliquer. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre ce que les gens éprouvent. Parce que ma nature humaine, elle n'est pas faite pour cela. Ma nature humaine me pousse à vivre pour moi. Mais Seigneur, ce n'est pas ça que tu m'appelles à vivre. Que quand une âme s'approche, j'ai envie de pleurer avec elle. Que quand quelqu'un m'explique son problème, j'ai envie de pleurer avec lui. Quand quelqu'un me dit qu'il est dans la difficulté, je ne peux pas dire non. Vous savez, dans le social, et Solange, elle le sait, on est là, on a des règles, on est obligé. Hein? Mais aussi bien Solange, son équipe, et moi ou d'autres, quand quelqu'un vient nous voir et qui nous dit « j'ai faim », on oublie le dossier. Moi, je le prends par l'épaule ou... Et des fois même Solange, elle vient la tête baissée, elle vient confesser son péché en disant « Pasteur, j'ai donné un colis, mais il avait faim. » Mais c'est vrai. On est là avec des principes, on est là avec des règles, parce qu'on ne veut pas être roulé dans la farine, mais au fond de nous, Seigneur, donne-nous un cœur qui est tendre. Donne-nous un cœur qui va s'émouvoir, Seigneur. Donne-nous un cœur qui va être brisé quand une âme va venir là. Il m'arrive quelquefois d'imposer les mains à des gens et de sangloter dans mon cœur parce que le Saint-Esprit me fait ressentir, discerner ce que la personne est en train de vivre. Et ça, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le déclarer, on ne peut même pas le dire à la personne. Mais Dieu nous fait voir, nous donne des visions et on voit la personne qui a souffert et qui est passée par des moments difficiles. Et il m'arrive quelquefois de pleurer. Seigneur, j'en veux plus encore. Je veux être touché. Je veux que notre Église, elle ait un cœur qui soit touché. Un cœur qui soit touché. Arrêtons la façade. Arrêtons de dire notre Église, elle n'est rien. C'est l'Église du Seigneur. Et nous voulons qu'elle ressemble à Christ. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Arrêtons nos caprices. Arrêtons nos bouderies. Arrêtons nos critiques. Arrêtons nos calomnies. Et commençons à nous occuper de ceux qui souffrent. Et vous savez, quand on est au travail, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de critiquer, de juger, de chercher le pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir à partager dans cette église. Il n'y a que le ministère à partager. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y en a pas. On n'en voudra pas. Et on les arrêtera, ceux qui ont soif du pouvoir. Parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est que l'Église, elle se donne comme Christ s'est donné. Et que Dieu nous garde dans cette vision. Et c'est ma vision, c'est notre vision pour cette année 2010. Que l'Église aille à la rencontre des besoins. Qu'elle réponde aux besoins. Je vous invite à prier quelques instants. Et demander à Dieu sa grâce, son secours. Seigneur, ce matin, nous voulons réclamer ton secours pour que ton Église... Seigneur, elle soit ton corps, vraiment. Que tu puisses nous aider. Tu vois bien des lacunes, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, c'est vrai, comme
Nous avons pu le dire, Seigneur, dans notre cœur, il y a des fardeaux pour l'évangélisation, des fardeaux pour la communion fraternelle, des fardeaux pour être proches les uns des autres avec amour, avec vérité, avec droiture, Seigneur. Nous voulons te prier de nous aider, mon Dieu. Ce matin, je réclame ton secours parce que quelquefois, nous nous sentons tellement loin de cette vérité. Seigneur, l'Église, c'est ton corps. Et nous voulons être ton corps, Seigneur. Nous voulons être la représentation de Jésus entre nous tous. Chacun, nous sommes des membres de ce corps. Seigneur, aide-nous. Merci de bénir tous ceux qui travaillent de tout leur cœur, qui donnent de leur temps, de leur santé et qui sont courageux. Bénis-les, Seigneur. Permets que d'autres se lèvent encore. Seigneur, sois encouragé à marcher avec toi. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur. Bénis toutes les équipes qui travaillent, que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit dans le domaine administratif, que ce soit dans le domaine spirituel. Seigneur, tu connais ma prière. Ce matin, je te prie pour un renouveau. Pour un renouveau dans notre foi. Nous nous sommes installés, Seigneur, je le confesse ce matin. Nous sommes installés dans une tradition, dans des habitudes, dans des trains-trains. Seigneur, aide-nous à aller plus loin, s'il te plaît. Viens réveiller ton Église, Seigneur. Viens réveiller nos cœurs. Seigneur, viens réveiller notre pays tout entier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, fais ton œuvre. Ne voulons pas nous présenter devant toi, Seigneur, avec des reproches. Seigneur, avec du temps perdu. Mais Seigneur, viens nous aider. Seigneur, nous aider à être des serviteurs et des servantes pour ta gloire. Oh Seigneur, manifeste-toi. Fais lever des hommes et des femmes encore. Fais lever des hommes et des femmes qui vont te servir et te glorifier, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis celui ce matin qui est dans le besoin. Seigneur, celui qui est dans la souffrance, celui qui est dans la peine, celui qui est dans la difficulté. Oh Seigneur, nous voulons te servir et te glorifier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.